Et bonjour à tous, c'est Minocraft, on se retrouve sur le serveur Industrial Adventure pour l'épisode 44. Pardon. Donc, comme vous voyez, c'est encore changé. J'arrête pas de changer, c'est malheureux. Non, en fait, là, c'est pour... comme vous voyez, le friction heater est éteint. Donc, du coup, j'ai fait une petite tentative d'automatisation de mise en marche du friction heater. Et du coup, bah, ça fonctionne. Donc on va vite fait voir comment le tout fonctionne et on va essayer de finir d'automatiser notre petit minecart sur le dessus. Donc on va déjà voir le four et puis ensuite on verra la suite. Donc vous voyez qu'il n'y a plus les translocateurs pour envoyer les items ici. Donc j'ai déplacé le barrel parce que si je le mettais ici du coup la gate qui regarde à l'intérieur du four s'il y a un item pour envoyer un signal de redstone, si on met le barrel à côté, du coup elle va aussi regarder dans le barrel et bah, du coup elle va voir qu'il y a tout le temps un item dans le barrel et ça va pas fonctionner. Donc j'ai dû déplacer le barrel. Donc notre gate, on a dit qu'elle regardait dans le four, donc faut la placer au dessus comme ça elle regarde dans le four dans le slot 1, donc dans le slot où vous mettez vos items pour qu'ils se fassent brûler. Et donc dès qu'il y a un item dans l'inventaire, on voit qu'elle envoie un signal de redstone, donc derrière. Donc elle envoie le signal de redstone. Ensuite, il faut juste retenir pour le moment qu'elle envoie le signal de redstone. Pour les items, comment je les fais arriver dans le four, tout simplement j'utilise encore un IO block. Donc avec un item upgrade à l'intérieur, il y a un petit tuyau, on peut voir ça. On peut voir ça par là, juste essayer de passer entre les translocateurs, nickel. Donc voilà, un petit tuyau under IO, j'aurais pu mettre aussi un translocator, mais là voilà, vu que ça se voit pas de toute façon, petit tuyau under IO suffit largement, donc il est pas configuré, hein, juste extraire, faut juste mettre mode de redstone toujours actif, pour éviter d'avoir une interaction quelconque avec la redstone que vous utilisez juste à côté. Et celui-là il est juste sur insertion, donc pareil, pas de configuration. Donc maintenant laisse-nous descendre, merci. Donc voilà pour l'insertion de l'item tout basique. Donc on a vu que notre signal de redstone, si jamais il y a un item dans le four, se retrouve dans ce signal terminal. Donc on va voir en bas comment ça se passe. Donc on voit qu'ici que bah, du coup c'est éteint. Là les moteurs tournent toujours, mais du coup vu qu'ils consomment aucune énergie, c'est pas très très grave, et du coup on peut pas désactiver le supply d'eau, enfin l'apport en eau, parce que bah, sinon vos moteurs continuent, les steam engines continuent à fonctionner et bah, s'ils ont pas d'eau ils explosent, donc c'est pas top. Non, je voulais pas remonter, voilà. Donc notre signal terminal qui est relié à ce signal bus ici, je vais prendre mon spool wire pour que vous voyez, donc vous voyez que le signal descend dans ce signal et il repart vers ce signal terminal, donc qui est relié à ce bloc. Donc notre signal de redstone se retrouve en fin de compte dans ce bloc, et du coup à ce bloc on a deux répéteurs de brancher dessus. Donc notre premier répéteur, ça c'est le premier signal qu'on traite, donc va envoyer l'information dans notre mémoire et va aussi envoyer l'information dans un pulse former, donc un former de pulsation. Lui en fait, le former de pulsation, il va permettre de transmettre une pulsation derrière un signal de redstone qui est fixe. Donc là ici notre signal va être fixe parce que ici tant qu'on aura un item dans l'inventaire du four, notre signal va être allumé. Donc ici notre redstone sera sur 1 et donc notre pulse former va juste envoyer une pulsation. Donc à chaque fois en fait que vous voulez que votre pulse former envoie une pulsation, il faudra couper le signal de redstone et le rallumer. Donc voilà, et comme ça du coup la pulsion faite, elle monte dans le répéteur qui active un autonomous activator avec un screwdriver à l'intérieur. Donc l'autonomous activator il fait un clic droit mais il le fait en sneak. Parce que du coup si on prend aussi un tournevis et que nous mettons en sneak, ont un clic droit, vous voyez que hop ça change le mode en input output, et donc voilà, en fait on sert juste de cette petite fonction pour mettre en marche ou arrêter notre friction heater.
Donc voilà, comme ça le tournevis ne s'utilise pas. Il n'y a pas besoin de crafter une gear spéciale, parce que je sais qu'il existe une gear spéciale qui permet de déconnecter les shafts. Mais du coup voilà, ça fera reculer les moteurs d'un bloc encore pour mettre le bloc. Ça fait prendre un peu plus de place, donc là en fait on sert juste d'un. C'est pas un bug, hein, c'est une fonctionnalité, mais du coup l'autonomous activator, vu qu'il permet de faire des gestes qu'un joueur peut faire, bah du coup on sert juste de ce bloc pour automatiser le truc à notre place. Donc là on va dire que notre donc hop, on va le mettre sur marche histoire que vous voyez vraiment bien. Donc là voilà, donc notre signal est passé dans notre formeur de pulsation, et du coup il envoie il active l'autonomous activator qui active le shaft. Enfin, le shaft, le jonction shaft, le shaft de jonction. Et donc ici, tant que notre signal de redstone est allumé, donc du coup ça change rien, étant donné que, enfin si ça change quelque chose, étant donné que notre mémoire ici a C7, donc du coup ici cette torche de redstone est désactivée, cette torche de redstone s'allume, et donc ça allume, ça maintient encore ce signal ici. Mais ça désactive ce signal ici. Et donc notre ici, pour éviter que notre minuteur, enfin notre timer se mette en fonctionnement, étant donné qu'ici le signal sera relâché, on récupère le signal du bloc, donc de notre signal terminal, donc l'information comme quoi il y a un item dans le four, et on vient bloquer le timer avec ce signal. Donc comme ça du coup le timer ne s'actionne pas. Et dès qu'il n'y aura plus d'items dans le four, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va enlever le signal de redstone dans ce bloc. Donc ça va relâcher le signal de redstone également dans ce répéteur, qui va débloquer le timer. Étant donné qu'ici, vu qu'on est sur une mémoire, ici en fait, notre signal sera désactivé. Donc ici, en fait, notre timer ne sera plus activé, donc il pourra tourner. Donc j'ai laissé le temps de base en 2 secondes, hein, parce qu'après pour l'éteindre on s'en fout en fait que ça soit réactif ou pas. Donc au bout de 2 secondes, il va envoyer un signal de redstone qui va remonter, donc qui va éteindre dans un premier temps l'autonomous activator. Donc en gros ça va faire comme ça, donc ça va éteindre, et en même temps ça va envoyer un signal de redstone dans la mémoire qui va se reset. Donc ça va revenir dans la configuration où c'est actuellement. Et du coup, après un petit délai de 8 ticks, je crois, ça va renvoyer un... Ça va réteindre notre timer. Donc voilà, donc, on va juste voir avec le levier pour que vous voyez la redstone, comment elle fonctionne. Donc là, on allume notre signal. Donc vous voyez que ça a mis en route. Notre signal ici s'est allumé, donc parce que notre signal de redstone est toujours dans ce bloc. Ici vous voyez qu'on a juste eu une pulsation, et après tout le reste est éteint. Donc voilà, et si jamais on relâche notre levier, donc ici ça se relâche, notre timer fait son petit tour, tac, et ici vous voyez, hop, ça éteint le tout. Donc voilà, comme ça fonctionne nickel. Notre petit friction heater est automatisé, donc nous on peut s'en aller. Donc là je peux laisser le levier pour le cas où on a besoin de refaire des tests. On peut poser des blocs, tac tac tac, et donc maintenant en pratique qu'est-ce que ça donne si jamais tout simplement on va mettre des items à l'intérieur, donc nos items passent, et vous voyez que notre friction heater s'est allumé. Donc si jamais maintenant on décide d'éteindre notre, enfin il n'y a plus d'items dans le four, vous voyez au bout d'un certain moment le friction heater s'éteint, et du coup voilà, ça fonctionne nickel. Petite précision là, vous voyez qu'à l'intérieur il y a une cobble, c'est parce qu'à la base en fait avec le IO block il faut utiliser un side awareness pour faire en sorte que le bloc reconnaisse bien les inputs des outputs, ou même simplement des items qu'il peut mettre dans certains slots et d'autres items qu'il ne peut pas mettre dans le saut. Par exemple là les flakes normalement il doit pas pouvoir les mettre, comme la cobblestone nous à la main on peut pas la mettre
à l'intérieur. Mais du coup voilà le petit bug qui fait que bah, le side awareness ne fonctionne pas du tout. Donc quand on met un side awareness à l'intérieur, tout simplement ça envoie aucun item. Donc voilà, pour faire un tel système et que ça fonctionne, du coup il n'y a pas de side awareness. J'ai juste mis, juste fait en sorte que le bloc place une cobble pour moi. Et donc voilà, comme ça on est tranquille, la cobble on sait que bah, on s'en fout en fait. Et bah, nos items qui doivent se faire chauffer, du coup viennent bien dans ce slot là et il n'y a pas de problème. Donc voilà, on va juste amener ça à la maison. Donc pour revenir sur notre système de minecart, vous voyez qu'ici le coffre est full. Et donc bah au bout d'un moment ça risque d'arrêter ici et ça risque de faire du retard là. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà un peu mis en place histoire de faire quelques tests pour voir pour être sûr que tout fonctionnera correctement. Donc tout simplement lui déjà je l'ai mis sur complet. Donc il va vider notre minecart entièrement. Avant de laisser passer le minecart se faire charger par nos items qui ont été traités. Donc vu qu'on fait un déchargement complet, du coup on met une gate aussi ici, Bullcraft donc, qui regarde s'il y a un item dans l'inventaire. S'il y a un item dans l'inventaire, ça allume cette wireless transmitter qui est sur la fréquence 19. Donc lui on le retient parce que du coup on verra ça après. Et donc ici pour quand notre minecart est vide de minerai et qui vient se faire recharger avec les items qu'on a traités, du coup vous savez qu'on avait le problème de quand le minecart arrivait ici, il était bloqué parce que bah, lui en fait il était sur complet. Il essayait de faire décharger les items mais comme ils n'étaient pas dans le filtre, du coup il n'y a rien qui se déchargeait et donc notre minecart ne pouvait pas partir. Du coup j'ai pensé, étant donné que notre chargeur d'article, quand il a fini de charger notre minecart, envoie un signal de redstone. Mais il n'envoie pas le signal de redstone seulement, enfin il n'envoie pas que le signal de redstone sur le rail en dessous. En fait il envoie un signal de redstone dans les 6 directions autour de lui. Donc tout simplement on récupère ce signal de redstone dans un bloc juste à côté. Faut surtout pas mettre de redstone ici parce que sinon étant donné que vous savez on a notre gate juste en dessous qui envoie un signal de redstone quand l'inventaire est full. Donc si notre gate en fait son signal de redstone se répercute dans le chargeur. Donc quand notre gate va être allumé, si on a un morceau de redstone sur le dessus, tout simplement ça va allumer notre redstone qui va tout le temps allumer notre rail ici. Donc notre minecart va arriver, pourra même pas se décharger. Et là il va boucler bêtement pour rien. Donc on place un bloc juste à côté, petite redstone sur le dessus. Et du coup un petit répéteur histoire de... Pareil il est sur 8 ticks. Histoire de donner un peu de retard à notre signal. Comme ça le minecart en fait va partir. Et il va arriver ici donc la redstone va allumer le rail qui va laisser passer notre minecart tout simplement. Et donc notre minecart pourra rentrer. Donc on va voir ça. Tiens, il n'y a plus de minecart. Ah si, ils sont dans ce sac là. Tac, 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 tac. Et vous voyez aussi que, du coup, petite parenthèse, vous voyez aussi qu'ici c'est vide. Tout simplement, c'est parce que j'ai voulu montrer à Tom en fait la turbine. Vous savez qui était cassée là, celle qui faisait du feu. Et je l'ai mis au milieu en fait, et on l'a fait tourner. Et on l'a fait tourner un peu trop longtemps. Et du coup en fait elle a explosé. Et ça a fait un sacré petit trou. C'est vrai que j'ai pas pensé, maintenant qu'on en parle, j'ai pas pensé à prendre de petits screenshots pour vous montrer ou autre. Mais puis du coup j'allais dire il nous reste une turbine pour vous montrer un peu l'explosion que ça fait, mais non. Donc du coup c'est pas grave, au pire on a pas mal de tungstène, on en a 40. Je recrafterai au pire une turbine et je lui ferai exprès de lui donner des dégâts pour vous montrer l'explosion que ça fait. Mais enfin voilà, ça a tout fait disparaître. Petit point positif, ça a transformé le HSLA Steel
en compresse iron, donc pour le mode pneumatic raft. Donc ça fait que bah, déjà pour commencer, voilà, je crois qu'on a plus d'une dizaine de stacks de compresse iron. Donc voilà, plutôt sympa. Voilà. Et donc les seuls items qui nous restent, c'est un seau de jet fuel, notre underchest qui est résistant aux explosions, il me semble, et donc un petit dynamomètre que j'ai récupéré en bas il n'y a pas longtemps. Donc voilà, il y a tout à refaire de nouveau. C'est voilà, ça m'apprendra à faire le con. Donc pour vous montrer comment ça fonctionne, donc tout simplement, si on pose notre minecart, donc le translocateur ici est déchargé pour éviter que notre minecart se charge bêtement et inutilement. Donc si on place notre minecart en dessous, vous voyez que hop, il prend les items qu'il y a à l'intérieur. Enfin, le chargeur d'articles lui met les items de disponibles. Juste faire en sorte que ça va un tout petit peu plus vite, et donc hop, vous voyez notre minecart ici, notre signal de redstone, on a vu le rail s'allumer une fois que le minecart est parti, et donc notre minecart a pu continuer son chemin sans s'arrêter. Donc en fait voilà, là, le truc c'est que comment c'est fait, en fait vous allez voir que on va envoyer 9 stacks, donc on va envoyer 9 stacks ici, donc ça va se décharger, et notre minecart peut récupérer plus d'items qu'il ne qu'il en ramène. Donc au moins comme ça, il n'y aura pas le problème qu'on avait dans l'épisode précédent où notre minecart repartait avec des minerais, il revenait avec d'autres trucs. Là au moins il vient ici, il est vide, enfin il est plein de minerais, il se vide ici, et quand il repart de ce rail pour aller se charger, il n'aura aucun item à l'intérieur. Donc il sera vraiment vide, et donc il pourra prendre 27 stacks ou 27 items différents à l'intérieur de son petit coffre. Donc on va juste remettre la redstone ici. Tac. Il manquait ça. Et du coup on va remettre notre translocateur qui va avoir pour but d'allumer notre signal 18. Donc voilà, donc le 19, on a dit c'est pour quand il y a un item dans le déchargeur d'articles, donc dans le bloc qui décharge les minerais. Et le signal 18, c'est le signal qui dit qu'il y a des items dans le chargeur d'articles. Donc nous on va retourner dans notre petit truc. Donc c'est pareil ici, j'ai un peu modifié le passage du système appelé énergistique. Tout simplement c'est parce que du coup maintenant c'est commandé par Redstone. Donc voilà, vous voyez que c'est actif sans courant. Parce qu'en fait maintenant on descend en bas. Voilà, donc en fait on regarde dans notre chargeur avec une gate bullcraft, encore une fois, j'aime bien les utiliser. Donc on regarde dans un premier temps si notre inventaire est full, est vide, pardon. Si notre inventaire est vide, du coup, c'est une porte logique où, en or, étant donné qu'on va utiliser deux câbles de tuyaux. Donc, je disais, dans un premier temps, on regarde si notre inventaire est vide. Donc, si notre inventaire est vide, on allume le red pipe signal. Donc, le red pipe signal, il vient ici. Il va dans ce bloc-là. Et tout simplement, c'est le truc qu'on utilisait déjà avant pour voir si on peut envoyer notre minecart ou pas ici. Donc là, on se sert toujours de ce signal avec le. Vous savez qu'on envoie le minecart avec le signal 18, et on regardait si notre truc était vide, qui venait sur une porte E, qui envoyait un signal de redstone dans le rail qui faisait partir le minecart au cas où, du coup, il y avait des items là-bas et ici, il n'était pas. Il n'était pas full. Donc tac tac tac. Donc on récupère ce signal de redstone pour l'injecter dans une mémoire. Donc si jamais notre inventaire est full, ça désactive ici. Enfin ça, ouais, ça reset parce que là elle est 7. Donc ça reset notre mémoire qui désactive ce signal de redstone, qui contrôle nos export bus. Hop, j'ai pu monter, je pouvais plus descendre, mais si. Et donc ensuite nous avons avec le signal bleu,
nous regardons si l'inventaire est full. Donc si l'inventaire est full, ça allume le signal bleu. Et donc ça va set notre mémoire qui va donc comme c'est ici allumer notre signal de redstone qui va venir bloquer nos exports de bus. Donc j'espère que c'est clair. Mais enfin, il n'y a rien de très compliqué, hein. C'est juste de la logique. Du coup, on attend juste à chaque fois que l'inventaire soit vide pour pouvoir remettre des items à l'intérieur. Donc c'est pour ça que justement je vous parlais tout à l'heure de on va envoyer que 9 stacks. Parce qu'en fait, du coup, dès qu'on va relâcher le signal de Redstone, vous savez qu'il y a il y a un petit temps de. Un petit temps pour que le réseau appelé énergistique voie qu'il peut envoyer des items à l'intérieur. Et donc, étant donné que notre chargeur d'articles, lui, est assez réactif, dès qu'il aura fini d'envoyer le dernier item dans dans le minecart, il va envoyer son signal de Redstone dans la foulée. Donc, tout simplement, voilà, comme ça peut pas. Ça peut pas. Il peut pas y avoir d'autres problèmes et de deux ça va encore plus bloquer l'export de bus étant donné que comme on a vu il envoie un signal de Redstone tout autour de lui donc étant donné que les exports de bus sont collés à ce bloc et que du coup ben ils vont recevoir le signal de Redstone et qu'ils sont actifs seulement sans signal de Redstone du coup ça va encore donner un peu plus de temps avant que les items arrivent dans dans le bloc. Et que du coup, ça puisse remettre des items à l'intérieur. Donc ensuite, vous voyez qu'ici, on a notre wireless receiver qui est sur sur la fréquence 19, donc qui regarde s'il y a des items dans le déchargeur d'articles qui décharge les minerais. Donc tout simplement, lui, on va lui mettre petit bloc spécial sur le dessus. Donc comment ça s'appelle déjà? Je sais plus, donc on va juste regarder. C'est un bloc du mode Random Thing. Voilà, bloc téléporteur. Donc il faut qu'on fasse ça. 1, 2, tac. Des comparateurs, je ne pense pas que j'en ai. 1, 2, tac. Tac, 1, 2. Voilà, nickel. Et il va nous falloir des items, des target cartes. Donc normalement, je crois que j'en ai déjà. Voilà, donc nickel. Hop. Donc target cartes, nos blocs téléporteurs, ça va nous permettre quoi? Tout simplement, tac, on le pose là. Donc une fois que votre bloc est posé, surtout, faut éviter de le casser parce que je sais pas si c'est un bug ou si c'est voulu par par le modeur, mais votre bloc est vous le récupérez pas. Enfin, vous le cassez, que ce soit même avec une pioche ou GPC par contre avec une pioche c'est le touch. Mais du coup voilà, dès que vous le cassez, vous le récupérez pas, donc évitez de le casser. Et on va mettre un deuxième bloc téléporteur juste en face. Donc on prend nos item cards. Déjà on va rentrer à l'intérieur, on va le mettre que c'est hop lui actif sans signal de redstone. Et lui, actif avec un signal de redstone. Donc tout simplement, on va le mettre juste derrière. Tac. On va juste reprendre un petit wireless receiver. Hop. Donc on le pose comme ceci, on vient se mettre sur la fréquence 19. Voilà, donc faut bien inverser les deux étant donné que ben quand le signal est allumé en fait on veut déplacer ce bloc en face et quand le signal est éteint du coup on veut ramener le bloc vers sa position d'origine pour qu'il puisse faire pour qu'il puisse faire son boulot tout simplement. Donc, vous prenez votre target card et vous faites un shift clic droit avec. Et donc, en fait, ça a pris les coordonnées du bloc. Donc là, on voit que c'est moins 80, 64, 278.
Ah, donc là on est en moins 82, 63, 65, parce que du coup vu qu'on est ça, à nos yeux, et 278, donc on voit qu'on est bien sur le truc. Et on va mettre notre carte à l'intérieur de ce bloc. Tac. Donc voilà, comme ça c'est configuré. Et ici on prend notre deuxième carte, shift clic droit, et on vient le mettre à l'intérieur de ce bloc. Donc tout simplement, petit essai avec un petit levier. Donc tac. Donc si on allume ici notre signal de redstone pour faire comme si le signal 19 était allumé, du coup on peut même faire tout simplement comme ça. Ça va être encore plus rapide. On prend un petit transmetteur. Hop. Voilà. On vient se positionner ici. On se met sur la fréquence 19. On set. On prend notre levier. Tac. Ok. Donc, dès qu'on va allumer notre fréquence 19, voilà, tout simplement, vous avez vu, ça a téléporté notre bloc ici. Et donc, en fait, étant donné que bah, s'il y a des items de l'autre côté, voilà, ici ça sera allumé. Ah, par contre, j'y avais pas pensé. Hein. Ah, si. Étant donné que je rajoutais. J'avais pas pensé à ça par contre. Étant donné que. Ah si, j'avais dit qu'en fait à la base c'était pas comme ça que je voulais faire. C'était là, on récupérait. Tac. Voilà. Donc là, je vais casser la. D'ailleurs, ça va peut-être foutre la merde, donc on va tout simplement relâcher le signal. Et donc, vous voyez que notre bloc est venu se replacer. Donc, je vais juste casser notre petit truc ici. Tac, là, on va descendre. Ici, du coup, on va mettre un bloc. Prendre un peu de redstone. Tac. Tac, tac. Et on va venir tout simplement se mettre ici. Donc là, on peut faire comme ça. Hop, hop. Receiver, c'est bon. Et on se met sur le 19. 7. Voilà. Comme ça, du coup, si jamais on décide d'allumer notre fréquence 19, boum. Donc là, notre bloc s'est téléporté ici. Ici, on a notre rail qui est allumé, donc du coup qui va permettre de laisser passer notre minecart. Et donc bah, notre minecart va passer pour aller justement se recharger avec nos items qu'on a traités. Et du coup, bah, voilà, ça va permettre de ramener sans qu'il pour autant ramène d'autres minerais là-bas qui ne pourront pas se faire décharger ou ce genre de trucs. Et donc si on relâche notre signal de redstone, ici on voit que notre rail s'éteint, notre bloc revient à sa position. Et donc voilà, tout est bien, tout est beau. Donc tout est bien, tout est beau en théorie encore une fois. Du coup il manque toujours la pratique. Donc la pratique veut que du coup on va faire partir notre minecart de là-bas étant donné que ils sont un peu lourds à charger à chaque fois ces chunks. C'est peut-être le déchargement des autres qui sont aussi lourds. Du coup, donc notre minecart, on l'a. Ici, il faut juste qu'on remette des rails. Tac. 1, 2, 1. Parce que normalement, j'avais enlevé un set de booster, ouais, c'est ça. Tac. Donc voilà, donc si jamais on place notre minecart. Parce que là du coup va falloir qu'il se fasse décharger, il n'y a pas de, il n'y a pas d'autre choix. Parce que là notre coffre est full, donc si on renvoie des minerais, ça va juste se stocker ici. Et ce sera tout simplement interminable. Donc on va le lancer par ici. Donc notre minecart se recharge tranquillement.
espérant que ça soit pas trop long, il pourra envoyer stack par stack quand même. Parce qu'item par item, c'est un peu. Bah bon, ça va, c'est pas. Comme je dis, de toute façon, à chaque fois, c'est parce qu'on attend à côté que. Du coup, on trouve que c'est long, mais sinon, il n'y a pas de. Donc, on va le. On va l'aider un peu, on va dire, pour le moment. Tac. Donc tac tac tac, donc là il finit de recharger, voilà, donc notre minecart est parti, donc c'est nickel. Et donc tout simplement il fait son petit chemin, voilà, tout va bien, il n'y a pas de rail manquant, parce que j'avais enlevé des rails pendant un moment aussi pour faire des tests pour éviter qu'il aille trop loin ou ce genre de truc. Et donc voilà, donc là notre minecart normalement se fait décharger. C'est nickel, donc là on va mettre ce qu'on a sur nous, on va le mettre là, du coup ici de toute façon on a notre, bon, on va le mettre à l'intérieur directement, tac, donc ça transforme le tout, c'est nickel, ici ça se décharge tranquillement, donc là c'est pareil, je pense que je vais lui donner un petit coup de main histoire que, hey, bah oui, mais t'avais pas fini là. excusez-moi, monsieur. S'il vous plaît. Wow. Ah ouais, non. Les éléments dans le filtre, déplacer le reste. Oui, mais l'autre il est parti maintenant avec notre. Attendez, on va juste. Hop. Hop. Non, c'est pas grave, je récupère après. Voilà, par contre, qui décharge pas tout là, c'est. C'est pas ma faute, on va dire. C'est. Moi dans l'histoire, j'y suis pour rien. Donc rends-moi ça, toi, s'il te plaît. On va le mettre dans le filtre, de toute façon là il va rester le temps que. Ah bah non, vu qu'il est sur complet, il va pas. Là par contre que les trucs ça décharge mal, c'est. Indépendant de ma volonté là, c'est. Tac, donc normalement, il doit pas l'aspirer. Donc je dis bien normalement. Oui, nice. Donc voilà, donc là au moins on est sûr qu'il peut plus aspirer notre truc, donc ça pourra se téléporter sans problème. Si normalement vu que c'est le même ID après sur l'autre, c'est pareil, s'il ira à côté, ça pourra pas. Donc là c'est malheureux, mais on va devoir le faire à la main. Donc ici juste pour que ça aille un tout petit peu plus vite, on va. Éviter que ça se recharge indéfiniment. Tac, tac, donc là il va partir, donc là il va se recharger, donc là on met le petit truc à l'intérieur. Lobby. Tac tac tac. Donc il a bientôt fini. Oh. C'est pas sérieux là, sérieusement. Ah, c'est pas possible. Et même ça maintenant qu'il nous joue des tours.
Donc je vais juste faire un essai de toute façon étant donné que... Ah non, il va se recharger là. Et notre minecart est où exactement? Allô? Pourquoi t'es revenu là? Explique-moi. C'est où est-ce que... Enfin, où est-ce que ça bloque? Oh non, dis-moi pas que c'est encore cette redstone qui est buildée là. Bah si. Putain, c'est pas possible ça. Ah, d'accord, c'est à cause de... Donc là, on va faire. Tac, tac, tac. Donc normalement, si là on vient là et qu'on met notre bloc ici, voilà, il n'y a plus de problème. Tac. Donc on va rechercher notre minecart encore une fois. Là, ça, hop, tu t'en vas. Voilà, donc là, du coup, peut-être que je mettrai une. D'accord, donc ici, on va enlever tout ce qu'il y a dans le filtre, parce que du coup, c'est ce qui. Allez, dégage. Tac. Tac, on va de nouveau devoir aller chercher notre minecart. Tac, 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 tac. Donc on va voir ce que ça va faire. Mais c'est quoi son histoire de filtre? Elle est pas très au top alors. Ça marche dans un sens, mais ça marche pas dans l'autre sens. C'est pas top. Oh, mais t'es pas sérieux! Du coup, je vais enlever. Je vais laisser le bloc. Éteint. Bah, donc, t'attends quoi pour. Ah, c'est parce que là il est surexcé, donc du coup on met tout. C'est juste que on peut pas inverser le filtre et on peut pas, là étant donné qu'on a plus, on produit au final avec les bonus et tout, on produit plus de 10 items. Bah du coup on peut pas configurer de filtre, donc c'est pas très très grave. Donc là on va désactiver ce signal de redstone. Donc ouais, ici je vais peut-être mettre un, est-ce que j'ai le temps, peut-être hein, le temps qu'il se recharge juste après. Tac, tac, tac. Ouais, juste un. Voilà, comme ça du coup quand le minecart va passer dans l'autre sens, ça va allumer avec le détecteur, ça va allumer le rail ici qui va permettre au minecart de passer. Donc là voilà, notre minecart est parti. D'ailleurs, vous voyez que le bloc a fait une semblant de téléportation, c'est comme le truc avec la redstone encore une fois. Et donc là ici, voilà notre. Ah oui, vous voyez qu'on a toujours. Et donc normalement, ici, ça a dû téléporter notre bloc en face. Donc normalement, il aurait pas dû se recharger. Hein. C'est parce que du coup, la redstone n'était pas bon.
Et voilà, mais comme ça, du coup, notre bloc est ici. Et du coup, bah là, maintenant, il va attendre qu'il se décharge, mais étant donné qu'on a... un, hop. Finalement, j'enlève... Je vais peut-être enlever les items à la main, parce que là, c'était un oubli de ma part, en fait, d'oublier de mettre le signal de redstone. Donc là, il va partir. Sois plus rapide, dégage. Ah, c'est pas possible. Dégage, 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 dégage. Là, tu dégages là-haut. Voilà, j'ai oublié de... Tac, tac, tac. Si aucun item ont été déplacés, la wagonie n'est pas vide. D'accord. Donc lui en fait à chaque fois il va attendre que un item dans l'inventaire du wagonnet pour pouvoir renvoyer le wagonnet. De toute façon on sait que le wagonnet lui va arriver ici quand seulement s'il a des minerais. Donc du coup bah ou s'il est appelé par là. Donc dans tous les cas on sait que soit il sera bloqué ici, soit il sera bloqué là-bas. Donc voilà, là j'attends juste en fait pour voir si du coup ça va, ça se remplit quand même assez vite. Donc vous voyez que ça va nous ramener quand même beaucoup de diamants. Et là ça va envoyer autre chose. On sait pas quoi. Ah maintenant ça envoie de l'uranium. Donc tac, allez, fini de te recharger, donc on va te renvoyer là-haut. Donc voilà, donc ici il y a encore des items à l'intérieur, donc du coup ça va rien renvoyer si notre uranium se fait process tranquillement. Ici niveau du jet fuel, donc comme on a vu ça baisse, mais du coup ça produit, donc vous voyez hop c'est... Donc voilà, le tout fonctionne plutôt bien. Il y a juste ici ça fonctionne pas par contre, pourquoi? Étant donné que normalement il y a assez de... ça un peu plus tard. Ah non, notre minecart. Par contre là ce que j'arrive pas à comprendre c'est pourquoi lui ne veut plus faire son boulot par contre. Là. Parce que le truc, on est d'accord que ça a fonctionné tout à l'heure quand je vous l'ai montré la première fois. Donc pourquoi là ça ne veut pas. Donc au pire on va feinter le truc comme on a fait de l'autre côté. Bien sûr on n'a plus de rails. Tac. C'est bon, il nous en reste un. Notre sac à dos. Et on va mettre notre rail ici. Voilà. Voilà, comme ça, il n'y aura plus de problème. Donc là, on peut récupérer la redstone, on peut récupérer ça. Tac. On peut enlever nos petits blocs. Quoique j'aurais dû le laisser là-dessus. Ça nous aurait permis de... Hop, hop. Donc là, notre minecart est parti. Donc on va essayer de le rattraper, donc c'est bon. Donc là, il descend. Oh, mais non! Oh, c'est pas possible. C'est chiant ces histoires de redstone tout pédé. Sachant qu'on a mis le cover plus enfin normalement ça devrait plus là au bout
d'un moment, faut arrêter de déconner quand même. Ouais, bon, c'est pas grave, du coup, je mettrai autre chose comme bloc. C'est pas très très grave. Ou j'en mettrai pas tout simplement, je mettrai tout simplement les. Les blocs comme ça, voilà. Et comme ça, il n'y aura plus de problème. Donc là, ça se décharge, c'est nickel. Donc bah voilà, je pense que notre système fonctionne. Donc là, du coup, il va retourner de l'autre côté, étant donné que notre rail ici est allumé, vu qu'on a des items de l'autre côté. Donc là, on attend juste que ça finisse de se décharger. On va juste revoir de l'autre côté pour voir comment ça se passe. Et ensuite, je pense qu'on pourra se laisser. Donc allez, finis un peu plus rapidement. Là, par contre, je veux juste le laisser faire pour voir s'il décharge vraiment tout. Mais normalement, oui, il doit tout décharger. Donc oui, on l'a mis sur complet, tout. Donc tac. Voilà, plus que 3 stacks. Allez, mon petit, tu peux le faire. On attaque le dernier stack. Donc on va se mettre un peu en hauteur pour le voir arriver. Donc ça y est, il arrive, c'est nickel. Il repart, c'est la course folle. Tac, donc là le petit pont il le passe tranquillou. Il arrive ici, c'est vide, donc il laisse passer. Et voilà, il se recharge tranquillement. Et il va faire ses différents petits allers-retours. Donc là, par contre, pourquoi on a une flex? Wow. Et comment c'est possible? Étant donné que le yo-bloc qu'il y a au-dessus est relié ici. Et que lui, le yo-bloc qu'il y a juste ici, est relié en dessous. Est relié à ce coffre-là. Donc comment peut-il envoyer des items de ce coffre vers l'autre coffre? Enfin, vers ce coffre-là, c'est tout simplement pas possible. C'est tout simplement pas possible. Sinon, ça sert à rien de faire en sorte que tu peux le linker à un bloc si ça prend en compte un espèce de périmètre. Donc du coup, bah, je verrai pour rajouter des upgrade, je sais pas trop laquelle, celle qui permet de même quand on casse le bloc que ça perd pas le lien ou ce genre de truc, parce que bah, le side awareness malheureusement ne peut pas fonctionner. C'est tout simplement toujours des petits problèmes à la con comme ça. Ça par contre, c'est dans les mods, c'est ce qui est un peu énervant, c'est ce genre de truc, justement ce genre de petits bugs à la con qui fait que bah, quand on fait un truc qui est censé tenir la route, bah du coup ça tient pas la route. Non, dites-moi pas que c'est encore Bah si, mais c'est quoi le problème, sérieusement? Ça peut pas être lui, étant donné qu'il n'envoie pas le signal de Redstone sur... Donc on peut juste regarder ça. La redstone reste allumée alors que normalement il n'y a rien qui fait qu'elle doit rester allumée. Enfin, pour le moment je ne vois rien. Étant donné que ici notre signal, notre torche est éteinte, donc la torche qui est allumée elle est au-dessus, elle éteint le timer, donc là notre signal fait comme ça.
D'accord. Ici, c'est éteint. Et sur le dessus, c'est juste l'allumage des rails. Donc là, est-ce qu'on peut le casser normalement? Oui. Nickel. Donc là, voilà, c'est juste l'allumage des rails. Donc, je prends ma wrench dans ma main. Est-ce que c'est le fait de d'allumer les deux qui fait que... On va essayer. Ouais, juste... D'accord. C'est le cover qui fait que notre truc... Sérieusement, c'est complètement débile. Le cover qui fait que le signal restait allumé. Donc là, si on fait comme ça, est-ce que quand notre minecart va repartir, ça va allumer la redstone? Décharge-toi, petit. Donc voilà, donc là si jamais on décide de replacer nos blocs ici, que nous décidons de par exemple allumer la redstone nous-mêmes avec un petit levier, tac, est-ce que notre redstone reste allumée? Donc non, voilà, donc c'est bon. Tous les petits problèmes sont fixés, toute notre petite automation pour ramener les items de notre bâtiment Rotarycraft fonctionne, donc c'est nickel. Donc bah voilà, je pense qu'on peut se laisser là-dessus. Juste aller voir notre petit minecart une dernière fois pour se dire au revoir, donc il est en train de se recharger tranquillement. Donc ouais, j'ai juste à régler ce petit problème avec les flakes qui est vraiment très très embêtant pour le coup. Donc voilà, donc je sais pas trop comment je vais le régler pour le moment, mais je vais le régler, c'est sûr. Donc voilà, donc sur ce, ben je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et ciao.